One, two, three, let's switch this up. Aujourd'hui, mes cheveux ont décidé d'en faire qu'à leur tête. Leur tête! C'est pas drôle, Valentine. Hello les humains, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se revoit une nouvelle vidéo. Comment être organisé pour l'école? L'école arrive à grands pas. Oui non mais à vraiment grands pas. Et je pense que ça stresse pas mal de personnes parce que les premiers jours on est toujours genre trop bien organisé. Et après la fin de l'année ça part vraiment en catastrophe. Non mais en cata. Cette vidéo va vous aider à rester organisé pendant le plus longtemps possible. Et ça dépend vraiment de vous. Hein. Mais j'aimerais tout d'abord, avant de passer à cette vidéo, vous remercier pour les 50 000 abonnés, les gars. 50 000. C'est énorme. C'est la moitié de 100 000. C'est fou. C'est fou. Merci. Je vais vous remercier. Et c'est pour ça que restez jusqu'à la fin pour savoir ce que je vais faire pour les 50 000. Et donc, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Let's go. Numéro 1, c'est faire un planning d'une journée idéale pour l'école. En gros, ça veut dire que quand vous rentrez chez vous, en général, vous avez le réflexe de prendre votre téléphone en vous disant, ouais, ce sera juste 10 minutes. Mais en fait, ces 10 minutes, ça se transforme en une heure. Et en fait, vous perdez tout votre temps. Vous n'avez plus le temps. Du coup, ça se reporte après le dîner. Après, vous vous couchez à 23h. Stop. Non. Pour éviter cela... Planning d'une journée idéale de cours. Le matin, donc je me lève à 7h, je mange, 7h20, je vais dans la salle de bain, vous vous habillez, et à 7h50, vous partez. 7h, vous êtes à la maison, commencez les devoirs. À 18h, faites une pause, parce que c'est toujours très important de reposer son cerveau. Vous finissez vos devoirs, et à 22h, vous êtes couché au lit. Et en général, ce planning, vous essayerez de le suivre le plus possible. Comme ça, ça vous évite bien d'être dans les temps. Il faut établir un code couleur. Moi, je sais qu'en rouge, quand je ferme mes fiches, c'est là où j'écrirai tout le temps mes titres de chapitre. En vert, j'écrirai tout le temps les sous-titres. Ça, ce sera ça et ça... Ce sera ça. Pour tout ce qui concerne mon agenda, mes fiches de révision, je vais me dire que ce rose, ce sera pour les définitions. Orange sera pour le vocabulaire, le nouveau vocabulaire, les mots que vous devez apprendre à ne pas oublier. Bleu sera pour tous les mots importants. Le jaune sera pour les formules mathématiques. Ceux-ci sont que des exemples, mais tout ça, ça vous permet d'être beaucoup plus organisé et de vous repérer beaucoup plus facilement. Si vous voyez du rose, par exemple, vous dites « Ah, bah oui, en fait, c'est une définition. » Numéro 3, c'est installer des apps d'organisation qui pourront vous aider pour l'école, dont une que j'aime beaucoup, qui est OTalent. En gros, c'est une app qui a pour objectif d'aider les étudiants, oui, vous, toi, à avoir une réussite scolaire. Et donc, en gros, leur premier côté, c'est vous aider à créer un mental d'acier pour l'école. Parce que, on vous avoue, c'est aussi beaucoup dans la tête, l'école. Donc, ça veut dire éviter de procrastiner, gérer son stress, faire face à l'échec, et etc. À tous ces petits problèmes qu'on a dans l'école et que personne, comme prof, nous a vraiment appris comment faire. Il y a le deuxième côté aussi, qui est apprendre à apprendre. En gros, imaginez ça. Le prof, il vous dit... Pour le contrôle de la semaine prochaine, vous devez apprendre votre cours par cœur pour cette évaluation. Mais t'es genre... Comment? Excusez-moi. Comment tu veux que j'apprenne tout ça? D'accord? C'est vrai, en fait, les profs nous ont jamais appris à apprendre. Donc c'est pour ça que cette app est là pour vous aider à trouver des méthodes. Ils vont vous donner des conseils par audio, par la mémorisation de votre cours, la concentration. Parce que oui, c'est important aussi la concentration. Aussi la réussite et le développement personnel. Je trouve que c'est assez important également. Et pour finir, le troisième côté qui concerne tous les devoirs maison, qui est une session assez libre pour faire des dissertations, des fiches, des analyses. Et la première session, ce sera définir vos forces. Et vos faiblesses. Mais j'ai quoi, il y a un fantôme dans ma maison ou ça se passe comment?
pour savoir comment vous pouvez améliorer votre apprentissage de cours. Et il y a aussi l'aspect que l'app te permet d'être vraiment concentré et donc ça t'évite de passer du temps sur ton téléphone et d'être distrait et donc perdre de la productivité. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette app OOTalent. Vous pouvez la trouver très facilement sur l'App Store, vous avez juste tapé OOTalent. Et vous la trouverez ici, là voilà, vous appuyez sur Get et c'est fini. Et si vous aussi vous êtes intéressé par l'utiliser et la télécharger, les liens seront en description. La quatrième chose est faire des to-do list. Vous savez que faire des to-do list c'est très important, mais le mot après, faire des to-do list courtes. En effet, ça ne sert à rien de faire des to-do list avec une liste remplie. Il faut que je fasse mes devoirs, il faut que je fasse mon devoir maison. Ça sert à rien de faire une to-do list trop longue comme vous pouvez voir. Vous n'allez jamais réussir à tout faire, donc ça va vous stresser, donc vous allez perdre du temps, donc vous allez procrastiner. C'est quoi cette organisation? Une to-do list, pour être bien organisé, il faut que vous fassiez une to-do list qui se répartira pendant les jours. Pour mardi, vous allez faire votre devoir maison de maths, vous allez faire votre exercice 4 et 5 en SPC et vous allez lire votre livre de français 30 pages. Et pour mercredi, vous allez apprendre votre cours de maths, vous allez faire les exercices 7 et 8 d'SPC que vous n'avez pas fait hier et vous allez finir votre livre de français. Basta, il faut que vous répartissiez votre to-do list pour qu'elle soit courte. Et tout ça, ça évite de laisser tout à la dernière minute. Quelqu'un se reconnaît là, faire les devoirs à la dernière minute et réviser son contrôle à la dernière minute? Ouais, je pensais bien, ouais. La cinquième chose à faire, c'est créer un sommaire pour vos cahiers, vos classeurs, etc. C'est ça. En gros, ça vous permettra de retrouver plus facilement vos pages parce qu'il y aura ces numéros. En général, pour faire un sommaire, il faut déjà que vous ayez le contenu en général de tous les chapitres que vous avez. Vous essayez de faire un joli titre. Imaginons, c'est mon sommaire de maths. Donc, je sais qu'il y a toujours une introduction. Et en fonction de la page, je l'écrirai juste là. Ensuite, il y a le chapitre 1. Et ici, vous mettrez le numéro des pages. On imagine une simulation. Vous voulez trouver l'introduction. Et donc, vous allez aller à la page qui correspond à la page numéro 3, introduction. Alors, t'es prête pour le contrôle, le gros contrôle de maths sur les 5 chapitres? Quel contrôle? Quoi? Tu sais, celui qui nous a donné il y a 2 mois, qu'il fallait bien réviser, quoi, F10. C'est ça, c'est une petite blagounette. Non. Tu n'as pas révisé, j'imagine. Bah non, je savais pas, je suis dans la merde. Tu vas souffrir. Pour éviter ce genre de scénario où c'est arrivé à, je pense, pas mal de personnes, où on oublie un énorme contrôle qu'ils nous avaient donné il y a super longtemps, achetez un agenda où vous avez un calendrier complet du mois. Comme ça, vous avez vu une aperçu complète du mois. Vous pouvez écrire tous les trucs importants. On a vraiment une vue d'ensemble. On a un énorme contrôle. Et ben, vous le verrez. Et vous pouvez voir toutes les choses très importantes à marquer. Donc, ne mettez pas toutes les petites évales. Je sais pas vous, mais je ne suis incapable de travailler dans un bureau qui ressemble à ça. Un bureau en bazar. Tu n'as strictement aucune place pour travailler. Et donc, tu t'y mets pas, quoi. T'as clairement la flemme de commencer tes devoirs. Attention, gros secret révélé, ranger son bureau tous les jours. Et oui, après que vous avez fait vos devoirs, vous rangez votre bureau. Comme ça, le lendemain, il sera propre. Ce bazar-là, là, ça se range en moins de 5 minutes, hein, c'est clair. Il y a juste les stylos, les petits trucs que je commence à faire. Bon, strictement, on va le faire ici. Là, je suis désolée, mais votre bureau est rangé. Il y a de la place pour travailler. La 7e chose que je vous recommande de faire pour être organisé, c'est avoir un trieur. Alors, attendez, je sais, beaucoup de profs n'acceptent pas les trieurs au collège parce que ça demande beaucoup d'organisation. Je suis là pour vous aider. Donc, si vous savez pas ce que c'est, si malheureusement, j'en ai pas un avec moi, à plusieurs compartiments pour y ranger vos cours. Pourquoi c'est beaucoup plus pratique? Ça évite d'avoir plein de classeurs et de cahiers, alors que là-dedans, vous pouvez ranger plein de matières ensemble dans une seule grande pochette. Dans chaque petite pochette, vous y mettez une seule matière. Donc, le trieur commence à être vraiment lourd. Vous reportez toutes les feuilles que vous avez dans votre trieur et vous allez mettre dans le classeur. C'est beaucoup plus léger. Alors moi, personnellement, pour mon trieur, ce que je mets, mes intercalaires, tout d'abord, ce sera l'intercalaire feuille simple et feuille double, l'intercalaire feuille plastique, l'intercalaire autre, donc tous les papiers qu'on reçoit.
l'intercalaire évaluation d'espagnol, l'intercalaire science. Je suis crevée. Allez. Quoi? Déjà? Non, c'est possible. Oh, juste 10 minutes. Et le théorème de Pythagore, c'est quoi? Tiens, Valentine. Alors, le théorème de Pythagore, c'est Pythagore qui a décidé de mettre du gore ensemble. C'est donc très important d'avoir assez d'heures de sommeil. En général, un adolescent a besoin entre 8h et 10h de sommeil pour qu'il soit en pleine énergie. Et pourquoi il faut assez d'heures de sommeil pour être organisé? Tout simplement parce que si on n'en veut pas assez, votre cerveau ne fonctionnera pas assez bien pour retenir vos cours, travailler. Du coup, vous allez perdre du temps et être tout simplement moins organisé. Ça peut arriver que des fois vous dormez 7h et c'est pas grave, mais il faut pas que ça devienne un rituel. C'est tout. Toute personne organisée fait ça. C'est prévoir sa tenue pour toute la semaine. Mais si vous êtes vraiment une personne qui n'arrive pas à choisir sa tenue rapidement, je vous recommande, ça évite de vous faire perdre du temps le matin. Nous allons donc organiser nos tenues pour la semaine entière. Pantalon, crop top. Lundi, robe. Mardi, short et cardigan. Jeudi, une petite robe florale. Et vendredi, pourquoi pas une petite combi short. C'était rapide, c'était simple. J'aurais juste à me réveiller et prendre mes CD de la paix. Nous sommes tous contents. C'est la fin de cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir que vous êtes restés jusqu'à la fin. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, c'est aussi pour les petites surprises qui vous attendent. Alors, tout d'abord, j'aimerais répondre à la question du jour de Firulou qui est: vu que tu es en France maintenant, est-ce que tu as rencontré tes abonnés? Non, je n'ai toujours pas rencontré des abonnés. Écoutez, c'est un peu normal parce que j'habite un peu dans Saint-Tropez là maintenant. Je suis à Grimaud, mais à côté de Saint-Tropez. Maintenant, passons pour le concours. Oui, parce qu'en effet, il y aura bien un concours pour les 50 000 abonnés. Attendez, c'est pas rien, j'aimerais vous remercier. Ce concours se fait avec grâce à VideoPro, qui est une app d'editing pour tous ceux qui sont intéressés. Il y a 4 aspects. Donc, il y a l'aspect où vous pouvez recorder votre téléphone ou votre ordinateur pour enregistrer. Vous pouvez également télécharger des DVD. Vous pouvez également transférer et changer le format de vos fichiers, ce qui est assez incroyable. Vous pouvez enregistrer des vidéos d'internet. Super. Vous êtes intéressé par cette app VideoPro, je vous mettrai là où j'en parle vraiment en détail la vidéo juste en bas. Et ils ont aussi créé un software qui s'appelle VideoPro Vlogger. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une carte coupon de 50$ pour Amazon. Donc ceux qui sont intéressés par l'editing et la carte Amazon, vous pouvez participer dans les commentaires en mettant juste votre adresse email pour que vous aimeriez gagner. J'ai également prévu de vous faire un live 50K pour vous parler avec vous. J'aimerais que vous me posiez les questions les plus bizarres que vous avez. Pas des questions normales, genre comment tu t'appelles, assez originales. Et vous me la poserez, comme ça c'est vraiment intéressant et on s'amuse tous ensemble. Et du coup, ce live sera le 4 septembre, le samedi. Voilà, j'espère vous retrouver nombreux là-bas, c'est toujours fun. Et je vous dis adios. J'y arrive toujours pas à y croire. 50 000 abonnés. Applause for me. I love you, I love you, I love you.